it's better in my spiel. Just yeah. Yeah, we'll talk. We're waiting. Yeah, we'll wait for him. We're waiting for him, too. Yeah. Everybody ready? Est-ce que tout le monde est prêt? Il manque encore une personne. Your Excellencies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je voudrais remercier le président Macron pour son invitation à ce nouveau ce sommet pour le nouveau pacte financier. Merci pour cette opportunité. Je suis ravi de pouvoir présider cet événement du sommet. Bienvenue à ce dialogue présidentiel sur l'Alliance de l'infrastructure verte. C'est un honneur de vous avoir, Vos Excellences, avec nous aujourd'hui. Les présidents d'institutions financières, les présidents directeurs généraux des institutions financières, ainsi que les dirigeants d'organisations bilatérales. Je suis ravi que nous avons également des développeurs projets. Nous nous réunissons cet après-midi pour parler d'infrastructures vertes en Afrique, la GIA. Une nouvelle initiative pour mobiliser 10 milliards de soutien en Afrique. C'est une initiative qui a été mise en place par la Banque africaine de développement, ainsi que d'autres partenaires et bien sûr des philanthropes. Mesdames et Messieurs, Vos Excellences, le manque d'infrastructures, nous devons investir dans l'infrastructure pour accélérer et transformer nos économies. Il manque entre 113 et 140 milliards de dollars par an. La plupart de l'infrastructure en Afrique doit encore être construite. Cela est une opportunité unique pour commencer directement avec du durable ou durabiliser l'infrastructure existante, donner l'Afrique est plus vulnérable aux effets des changements climatiques. L'infrastructure doit donc devenir plus résiliente. Verdir notre infrastructure permettra à l'Afrique d'utiliser 522 milliards d'obligations vertes qui, pour le moment, ne sont quasiment pas du tout envoyées vers l'Afrique. Mesdames et messieurs, notre discussion se concentrera donc sur la résilience de nos infrastructures, l'énergie, le transport, l'eau, santé, les infrastructures rurales, les infrastructures de communication. 400 milliards de dollars en financement mixte, en investissements commerciaux pour des développements de projets. Ce capital aidera à débloquer 10 milliards de dollars pour l'infrastructure verte en Afrique. Vos Excellences, nous avons besoin de partenariats globaux pour être à la hauteur. Notre vision est alignée avec cette vision pour ces partenaires globaux, avec la Global Gateway Initiative, avec
avec nos partenaires pour une transition juste. Nous nous réunissons aujourd'hui avec trois objectifs. Tout d'abord, construire un soutien politique de la part de mesdames et messieurs les chefs d'État de gouvernement. Deuxièmement, nous voulons construire un soutien financier. Nous avons des investisseurs dans la salle pour l'AGIA. Et troisièmement, développer des partenaires stratégiques pour l'AGIA. C'est une réunion forte, une réunion puissante. Les chefs d'État de gouvernement, des acteurs privés, et cela montre la force de ces partenariats. C'est ce que l'on essaye de faire avec la GIA. C'est un véhicule de transformation qui pourra donner à l'Afrique l'infrastructure dont elle a besoin. Nous n'avons qu'un objectif en tête: aller vers le zéro émission net en Afrique. Pour commencer, j'ai hâte de voir le fruit de nos discussions. Merci beaucoup et une fois de plus, bienvenue. Nous allons diviser notre session en plusieurs portions. Nous allons tout d'abord avoir les chefs d'État et de gouvernement. Je vais demander à son Excellence Hassina Kouhi, le président des Comores et le président de l'Union africaine, Monsieur Azaliya Soumi. Your Excellency, President Nana Akufo-Addo. Monsieur le président du Ghana. Your Excellency, Monsieur Nana Akufo-Addo. Son Excellence, Monsieur le Président André Radjolina. Your President, Your Excellency, President Mohamed. Votre Excellence, le Président Mohamed Oud Ghazouani. Et je pense que nous avons tout le monde. Yeah, Prime Minister Archie, yeah. Premier ministre. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Your Excellencies, welcome to Vos Excellences, bienvenue à cet échange. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je vais juste vous poser des questions directement. Répondez-nous avec le cœur. On n'est pas là pour des discours écrits, on veut avoir votre ressenti. Le président Assoumani. Monsieur le président, le tarif d'électricité, par exemple, dans votre pays de Comores, vous êtes en train de travailler sur ça parce que c'est très élevé. Quelle est votre stratégie pour baisser le coût en utilisant les renouvelables et quel rôle AGIA pourrait jouer? Et je dois commencer en vous féliciter de tout ce que vous faites pour l'Afrique en tant que le président de l'Axis de l'Union africaine. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, mon cher frère Adesina. Mais là, vous me gênez un peu. Je commence par les Comores, par l'Union africaine. Vous êtes les grands chefs. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de ce panel qui est très important. On s'est tous rendu compte qu'on parlait d'infrastructure et on a pensé toujours au transport aérien, routier, maritime. On a oublié la problématique de l'énergie. Donc l'énergie, on a mis du temps à le gérer. C'est l'énergie qui nous gère maintenant. Je pense que le moment est venu à ce qu'on se rende compte de l'intérêt de l'énergie. Comment faire en sorte qu'effectivement, serve les peuples au lieu de les desservir et surtout par rapport aux problématiques du climat. Donc, Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir organisé cet événement si important et d'avoir initié cette alliance en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, Africa 50 et d'autres partenaires. Donc, vous dire le plaisir
que j'ai à participer à cette table ronde pour contribuer à ma modeste façon comment on peut effectivement appuyer cette alliance pour l'infrastructure verte en Afrique en tant que président de l'Union africaine et en tant que président des Comores aussi. La production d'énergie, malheureusement, aux Comores, comme vous le savez tous, à l'instar de la plupart des pays africains, est encore insuffisante pour soutenir notre programme et nos ambitions de l'émergence de notre pays d'ici 2030. La puissance totale au niveau de l'Union des Comores représente 55% des prévisions de puissance. C'est quand même par rapport aux ambitions que nous avons, aux défis à relever. Effectivement, on le dit à toute honnêteté, on est franchement en deçà des ambitions et des prévisions qu'on doit avoir. Mais néanmoins, nous disposons d'un potentiel appréciable en source d'énergie renouvelable. On a amorcé le travail, que ce soit les énergies solaires que tout le monde connaît, mais aussi nous disposons aussi d'énergie géothermique avec une très bonne puissance qui est à même, si on arrive à le mettre en place, peut effectivement aller aux besoins du pays hein, de plus de 50-50% en matière d'énergie renouvelable. Mais effectivement, nous avons le thermique et comme tout le monde le sait, on doit passer de thermique à renouvelable, mais il y a le mixte, il y a la transition. Donc, on pense que cette transition, il ne sera quand même pas beaucoup pour qu'on puisse arriver à cet objectif. Donc, conscient de l'importance cruciale des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, mon gouvernement travaille actuellement à améliorer le cadre d'intervention dans le secteur de l'énergie pour attirer les investissements du secteur privé, avec bien sûr l'appui de la Banque africaine de développement et d'autres partenaires au développement. Mon gouvernement a entrepris des réformes nécessaires pour une intervention effective des promoteurs privés. Je dis bien des promoteurs privés. Déjà sur place, on a des entreprises privées qui travaillent dans ce domaine-là, dans ce secteur de l'énergie. Ainsi, le gouvernement a élaboré un nouveau code de l'électricité et un code des énergies renouvelables pour rassurer nos partenaires et surtout les secteurs privés. Nous travaillons actuellement à la mise en place d'une agence de régulation du secteur de l'énergie. Mon gouvernement continuera à mettre en place des politiques saines qui garantiront un environnement propice à la participation du secteur privé dans l'exploitation des abondantes ressources d'énergie renouvelable dont nous disposons. L'Afrique attend beaucoup des initiatives comme l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique et je voudrais profiter de cette table ronde pour inviter vivement nos partenaires à apporter leur soutien à travers les ressources concessionnelles ou des ressources commerciales à concrétiser leurs engagements avant ou pendant la COP28. Et je demande également une mise en œuvre rapide et réussie de cette initiative. Encore une fois, Monsieur le Président, je vous remercie. Mesdames et Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président. Et surtout, merci pour cet soutien pour qu'on puisse conclure les choses avant la COP28. C'est très important. Your Excellency, Mr. President, President. Votre Excellence, Monsieur le Président, during the annual meeting, j'étais au Ghana pendant cet événement. Et une des choses que j'ai vraiment appréciées, c'est d'aller à Epokwase. C'est fantastique. Il y a un changement à quatre niveaux et je pense que c'est un des plus grands en Afrique. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites concernant l'infrastructure. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je voulais vous demander, vu votre leadership sur l'infrastructure, quel est votre plan pour verdir cette infrastructure au Ghana For your population in particular. Donner une énergie propre, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez partager vos perspectives à ce sujet? Merci beaucoup. Je pense qu'il faut nommer un des niveaux après vous parce que vous nous avez aidé beaucoup, vous avez beaucoup aidé à arriver à ce niveau. En Ghana, comme en Afrique, la plupart des foyers sont, qu'ils soient urbains ou ruraux, se chauffent au bois.
et au-delà des émissions, 78% des émissions du Ghana viennent de l'utilisation de charbon. Cela met également une pression importante sur nos forêts. Nous avons donc identifié qu'il est capital pour notre avenir de passer de cette énergie à une énergie propre, et donc les contributions déterminées au niveau national ont été pensées autour de ce changement qui doit advenir. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout d'abord, la décision de mettre en place plus d'utilisation de biomasse d'ici à 2030 dans plus de foyers, augmenter l'utilisation de GNL de 25 à 30% d'ici à 2030 et des utilisations plus efficaces du charbon. Projected black carbon emissions for 2040. Avec toutes ces missions, la baisse moyenne pour 2040 devrait être de 29%. Ces 22 dernières années, le Gabon a distribué 340 000 poils de meilleure qualité. Il y a également des stations de cuisson qui ont été distribuées. Nous sommes passés à une couverture au Ghana de 35%. Et ce sont les mesures critiques que nous sommes en train de prendre pour réduire notre dépendance au bois et au charbon. C'est absolument essentiel pour nous. Pour ce qui est de l'argent, cette transition coûte beaucoup. Pour ce qui est des projections qu'on a fait, on parle d'environ $700 millions pour que cette transition soit faisable. L'Alliance pour l'infrastructure verte nous a indiqué qu'ils veulent aider. Je ne sais pas quel pourcentage de cet argent sera disponible grâce à l'Alliance, mais voici le total des besoins totaux du pays à cet égard. C'est quelque chose que l'on ne peut pas se permettre de laisser de côté. C'est très important pour l'avenir du pays de trouver une façon de faire ça. Monsieur le Président, merci pour votre invitation. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur une de nos préoccupations principales. Merci beaucoup. C'est quelque chose que l'on ne peut pas éviter. C'est quelque chose que l'on doit faire maintenant. Et ces $700 millions sont une enveloppe que l'on espère pouvoir compléter, et cette attention portée à une cuisine plus propre et tout à fait importante. Vous venez d'être, vous avez reçu le prix de Babacar Ndiaye pour cette année pour votre leadership sur l'infrastructure. Félicitations, Monsieur le Président. Et j'étais dans votre pays aussi, j'ai vu ce que vous faites avec le Energy Hydro de South Africa et tout cela, vous faites beaucoup de choses. Monsieur le Président, en tant qu'État insulaire, quel est l'appel à Madagascar pour l'agir et la communauté internationale? Tout d'abord, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier pour de m'avoir convié à cette table ronde et échange. Car comme vous le savez, quand on parle de l'énergie verte ou l'infrastructure verte, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En tant que pays insulaire, à l'instar des autres pays de l'océan Indien, Madagascar est exposé avec plusieurs défis. Entre autres le changement et les aléas climatiques. Quand on parle de changement climatique et des aléas climatiques, bien évidemment, on parle de la sécheresse, des inondations et des cyclones.
Et à Madagascar, rien qu'en 2022, nous avons subi 4 cyclones consécutifs. Les cyclones deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus violents, ce qui complique encore les choses pour un pays en tant qu'État insulaire. Vous savez, à titre d'information, que le coût de gestion des risques climatiques représente 1% du PIB, qui est vraiment énorme, Monsieur le Président. Mais quand on parle de changement climatique et aussi de notre défi sur l'infrastructure verte, on parle de l'énergie, on parle de tout ce qui est déforestation et reforestation. En ce qui concerne l'énergie, Madagascar actuellement utilise encore de l'énergie fossile, ce qui augmente le coût de production de l'énergie à Madagascar. Mais surtout, quand on parle de changement climatique, le président Nana Akufo-Addo tout à l'heure avait aussi évoqué l'utilisation du charbon de bois pour faire cuire le repas. Et donc, à Madagascar, comme plusieurs pays en Afrique, on utilise encore du charbon de bois et chaque famille doit détruire un hectare de forêt chaque année pour faire cuire le repas. Donc il faudrait des financements sur, bien évidemment, une énergie alternative pour faire cuire le repas. Et nous, à Madagascar, pour en revenir sur l'énergie, Dieu nous a donné le soleil, l'eau et le vent dont on peut produire et transformer en énergie. Ceci dit, ce qui se passe actuellement, comme Madagascar et plusieurs pays sur le continent africain, le développement tant attendu par la population n'est toujours pas au rendez-vous. Et quand il manque de l'énergie, on ne peut pas développer un pays également. Donc c'est pour cette raison que nous avons lancé le défi. Vous avez parlé tout à l'heure des projets en hydroélectrique. On a signé le contrat avec Saouf, avec Voulbé également, qui représentera 50% de la production d'énergie à Madagascar, qui va diminuer le coût. Parce que vous le savez, actuellement, le coût de l'énergie à Madagascar représente dans les 25 cents centimes de dollars le kilowattheure, contre 12 à 10 cents dans les pays développés, comme ici à Paris ou en Europe. Donc, on a moins de revenus, la population a moins de revenus, mais on paie très cher l'énergie. C'est pour cette raison que je lance un appel, et Madagascar soutient la GIA, pour accroître le financement des infrastructures vertes en Afrique. Et nous devons aussi encourager le financement mixte pour mobiliser les fonds nécessaires et mettre en place la gouvernance et des mécanismes adaptés du contexte de chaque pays. Mais surtout, ce que je lance un appel à la communauté internationale, Monsieur le Président, c'est qu'il y avait eu des promesses et des engagements non tenus. Car, comme vous le savez, lors des COP, sur les 100 milliards de dollars d'engagement par les pays émetteurs par an, pour le fonds vert, on se pose des questions, combien ont été réellement décaissés? Et un pays comme Madagascar, nous avons bien évidemment pu réaliser le plan d'adaptation nationale. Madagascar est l'un des premiers pays d'Afrique à avoir validé à la fois sa politique nationale de lutte contre le changement climatique, mais ainsi le plan national d'adaptation, mais on n'a pas encore reçu le financement jusqu'à présent. Donc il faut une mobilisation internationale, il faut que tout le monde se mobilise et il faut surtout que les sommets et les réunions se transforment en action. C'est l'appel que je fais aujourd'hui, Monsieur le Président, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ça et surtout pour les résultats que vous avez accomplis dans une période assez courte sur l'énergie renouvelable et aussi même en ce qui concerne l'adaptation dans votre côté au changement climatique. Je voudrais, Son Excellence, Monsieur le Président Gazaouni, la banque soutient votre pays de Mauritanie dans votre espoir d'optimiser l'hydrogène vert. Et comme vous le savez, nous avons ce que s'appelle une alliance pour l'hydrogène vert en Afrique.
Et je suis au courant que vous êtes en train de mobiliser 78 milliards de dollars pour faire l'investissement pour hydrogène vert. Donc la question que je voulais simplement vous poser, Monsieur le Président, est-ce que vous... comment la Mauritanie explore plusieurs projets hydrogène vert? Est-ce que vous prévoyez de faire de l'acier vert en transformant localement votre minerai de fer et en utilisant une partie de cet hydrogène vert? Quel rôle voyez-vous pour l'Alliance comme AGM? Merci beaucoup. Tout d'abord, vous allez me permettre, Président Adesina, de vous féliciter pour votre leadership en fonction, en faveur de l'économie verte. Votre initiative d'organiser aujourd'hui cette rencontre est encore une fois un témoignage pour cet engagement, ce qui est important pour nous tous. Je remercie également la Banque islamique de développement, la Commission de l'Union européenne, Africa 50 et tous les autres partenaires dans le cadre justement de l'Alliance. L'Alliance, bien sûr, pour une infrastructure verte en Afrique. Je salue également mes collègues chefs d'État qui, mesurant l'importance cruciale de ce sujet, ont tenu aujourd'hui à être avec nous ici pour enrichir les débats de notre rencontre. Comme vous le savez, la transition énergétique par la construction d'une économie verte n'est pas seulement une condition de la durabilité de développement, mais aussi une condition de survie même de notre planète. La Mauritanie, dont les émissions à gaz à effet de serre sont pourtant très marginales, est résolument engagée dans la lutte en faveur de la transition écologique par l'exploitation de son potentiel d'énergie renouvelable, notamment éolienne et solaire. Nous avons ainsi porté la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique de 18% en 2015 à 34% en 2020 et nous ciblons 50% en 2050. En outre, profitant de notre immense potentiel en énergie renouvelable, aussi bien éolien que solaire, dont l'exploitation d'ici 2050 pourrait atteindre 4000 gigawatts, nous travaillons à développer d'importants projets d'hydrogène vert. L'hydrogène vert est la source d'énergie renouvelable qui possède le potentiel le plus important, tant pour assurer la transition énergétique que pour accélérer la croissance économique, la création d'emplois décents et la lutte contre la pauvreté. Le développement à grande échelle de l'hydrogène vert inscrira notre pays sur une trajectoire d'industrialisation rapide en assurant la transformation locale de nos économies, de nos énormes ressources en fer pour les transformer en acier vert, en accélérant l'accès universel de nos citoyens à une électricité propre et à bon prix. La réalisation du potentiel de développement de l'hydrogène vert de la Mauritanie, comme celui des autres pays africains, bute cependant sur la contrainte majeure du financement. Les besoins en infrastructures, les ports, les routes, les chemins de fer, les réseaux électriques et autres, nécessaires pour permettre à la Mauritanie d'exploiter pleinement son potentiel d'hydrogène vert, sont énormes. Et c'est là
où l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique peut et doit jouer un rôle primordial. Nous attendons d'elle qu'elle participe activement au financement de nos projets d'hydrogène vert et qu'elle nous accompagne efficacement en matière de renforcement de nos capacités. Je vous remercie pour votre attention. Ah, merci beaucoup, Monsieur le Président. On sera à votre côté pour ça. Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, mon cher frère, Premier ministre Patrick Hachi, comme vous le savez, le forum, la session inaugurale pour le forum pour Alliance pour l'hydrogène vert, ça a été fait en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc, vous êtes placé partout où on voit les choses à Abidjan. C'est toujours avec infrastructure, beaucoup de choses sont faites. Donc, félicitations. La question que je voudrais vous poser, Monsieur le Premier ministre, c'est que l'Abidjan se transforme durant les 10 dernières années, surtout sur les plans de l'infrastructure. Comptez-vous poursuivre cette dynamique en investissant dans le transport durable et en particulier dans les systèmes de BRT avec des bus électriques? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour remercier et féliciter aussi bien l'ABAD que Africa 50 au nom de son excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, pour avoir bien voulu nous inviter à participer à cet important événement. Vous dire qu'effectivement, on est confronté pour la plupart des villes sur le continent à un développement extrêmement rapide de l'urbanisation. Pour prendre Abidjan, on est passé de 1975 environ à 2020 de 600 000 habitants à 6 millions d'habitants, qu'on multiplie par 10. Cela vous amène à faire face à des enjeux, à des défis majeurs, en particulier celui du transport. On doit transporter chaque jour environ plus de 10 millions de personnes. Et si vous envisagez le faire que par la route, par les voies, je dirais, routières, vous vous rendez compte que vous êtes limité. Parce que la capacité, la vitesse, je dirais, d'urbanisation est telle que la capacité à construire des voiries, je dirais, souvent est insuffisante. Les véhicules également pour pouvoir les transporter devient insuffisant. Donc vous êtes obligé de passer par des moyens de transport de masse et bien sûr en volume plus important. C'est ce qui nous a amené à aborder la question, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du BRT et à initier, dans le cadre de notre stratégie de ville durable, donc à l'horizon 2030, un projet de construction de BRT sur le mode PPP, infrastructure développée par l'État, et bien sûr, exploitation des véhicules avec des partenaires privés pour environ 300 000 passagers jour sur une ligne de 25 km. Mais également un investissement donc avec la partie française cette fois-ci. Le premier, c'est avec donc la Banque mondiale et l'AFD. Un projet de métro donc sur une ligne de 37 km traversant donc l'Abidjan du sud au nord. L'autre, c'est de l'est en l'ouest pour donc également donc utilisant l'électricité et tout ça à comparer à une situation dans laquelle nous étions où uniquement avec des véhicules normaux, donc avec du carburant, on arrivait à un niveau de pollution de la ville quasiment insupportable, au point où, en 2017, la décision a été prise d'interdire l'importation de tous les véhicules qui avaient plus de 5 ans d'âge, tellement on arrivait à une situation qui était extrêmement difficile. Mesure difficile quand on connaît le contexte dans lequel on vit, mais que mesure courageuse qui a été prise et qui aujourd'hui donne des résultats véritablement significatifs. Donc le BRT, le métro, pour un investissement global de plus de 2,5 milliards de dollars qui devrait permettre donc d'améliorer le transport dans la ville d'Abidjan, de nous permettre d'anticiper sur la croissance de la ville, mais surtout de nous permettre également gagner en points de PIB, parce que l'incapacité de transporter les personnes dans ces mégalopoles coûte véritablement des points de PIB et a un impact économique significatif. Donc l'ensemble de ces projets s'insèrent, comme je l'ai dit, dans une stratégie
de villes durables à l'horizon 2030. Et on a encore une deuxième phase de BRT qu'on doit construire. On a également le métro qu'on doit prolonger. Et je crois que la voie, c'est vraiment le transport de masse. On a également, donc, dans la logique de multimodalité, le transport lagunaire, qui chez nous, aujourd'hui, transporte environ 400 000 passagers par jour et qui est bien en dessous, je dirais, de sa capacité. Donc, c'est la voie de l'avenir. Bien sûr, ça pose la question de la propulsion par l'électricité, puisque ce qu'on ne fait pas en amont, en aval, on a le fossil fuel, sujet qu'il faut, je dirais, regarder, mais aborder avec lucidité. Et je terminerai sur les propos qui ont été donc ce matin évoqués dans un premier temps par le président Macron, quand il disait qu'il fallait regarder et considérer qu'on pouvait avoir plusieurs modèles en fonction des réalités de chacun des pays. Les dogmes dans ce domaine-là, ça peut être des vœux pieux parce que la réalité et les contraintes auxquelles le pays doit faire face ne lui permettent pas de respecter certaines choses. Et je crois que le président Bazoum, par la suite, l'a également dit. Je pense qu'il faut aller étape par étape, déjà passer de véhicules en carburant à des BRT et des métros, c'est une étape, même si, je dis, on utilise l'électricité. Et puis, bien sûr, nous avons également un objectif dans la stratégie donc, de l'énergie d'atteinte en 2030 d'un mix de 45% en fossil fuel et en énergie verte. Donc, on travaille du côté amont et aval, non seulement pour transporter de façon propre, mais également pour faire en sorte que l'énergie qui permette, je dirais, ce transport, lui aussi, soit de plus en plus vert. Je vous remercie. Thank you very much, Your Excellency. Merci beaucoup, Excellence. Alors, en une minute, je vous demanderai, en tant qu'AGIA, quelles seraient vos recommandations? Qu'est-ce que vous voulez, sur quoi voulez-vous travailler avec AGIA? Je vais commencer par vous, Président Rajoelina. Merci, Monsieur le Président. Le message que je voudrais passer, c'est qu'il faut investir à grande échelle dans l'énergie verte, mais surtout pour la protection de l'environnement également. Nous avons besoin d'accélérer le financement à taux concessionnel et agir ensemble. Pour ce faire, comme vous le savez, Madagascar, c'est un grand pays qui a beaucoup de potentiel. Comme je le disais tout à l'heure, il faut utiliser les ressources naturelles. Et c'est pour cette raison que sur les 119 districts, nous allons mettre en place 47 districts équipés de parcs éoliens, de parcs solaires, excusez-moi, jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est un grand pas, un grand défi pour Madagascar. Car il ne peut y avoir une croissance durable possible en Afrique sans l'accès à l'énergie, sans l'accès aux routes, à l'éducation et à la santé. Donc l'AGIA étant au cœur de ces problématiques continentales, doit permettre d'accélérer l'accès au financement, la promotion des solutions financières mixtes et donner la priorité aux États insulaires et vulnérables, mais surtout sur le continent africain. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le Président Assoumani, la même question. Merci, Monsieur le Président. Je vais être bref parce que mon frère et voisin, le Président Ruto, est là. Donc, il va intervenir certainement dans un domaine qui nous est cher, c'est la géothermie. Donc on est au Comores, on a cette potentialité, comme je l'ai dit, mais on manque d'argent, on manque d'expertise. Heureusement que le Kenya est disponible, parce qu'il a une très belle expérience. Donc, mais le Kenya va nous donner l'expertise. C'est vous qui allez nous donner l'argent. Donc on attend que vous donnez l'argent. Et Ruto va nous donner l'expertise, et je crois qu'on va y aller. En tout cas, c'est très sérieux, ce qu'a dit M. le Président. Madagascar et Comores, on est à moins d'une heure de temps. Donc, d'ailleurs, pendant la période des Gaulois, on était ensemble. Donc, Madagascar, c'est un pays qui a une grande potentialité, énorme, énorme. Et comme il a dit, il subit des sécheresses. Donc, des fois, il a des problèmes de pénurie. Donc, alors que si
comme on l'a dit en 2018 au Niger, on industrialise l'Afrique. C'est-à-dire on passe à Zazikaf. Donc il a des potentialités à même, si on les industrialise, on les transforme, on les stocke, là, non seulement Madagascar, mais tous les pays de la région peuvent être autonomes en matière d'autosuffisance alimentaire. Et c'est là où ça pose le problème de l'énergie. Est-ce qu'on reste dans l'énergie fossile, l'énergie, ou bien on passe à l'énergie renouvelable? C'est l'idéal, mais effectivement, la transition, on doit le faire, mais la respecter pour ne pas tomber dans le piège, dire qu'on est en transition et rester ne pas avancer. Je pense qu'effectivement, ces énergies renouvelables, les pays insulaires en ont grand besoin pour la protection, parce qu'ils sont très vulnérables vis-à-vis de l'océan, mais aussi ils disposent des potentialités, à même que si on les développe, non seulement ils peuvent s'autosuffire, mais maintenant avec la zone de libre-échange du continent africain, dont je suis le responsable cette année pour l'accélération, ça peut permettre à ce qu'effectivement, aujourd'hui, l'industrialisation de l'Afrique se fasse partout où il y a les ressources, et là, l'autonomisation peut être assurée. Effectivement, demain, on sera un grand marché, donc on va consommer avant de vendre des produits finis. Mais pas exploiter des produits non finis, hein, et puis après, on les transforme pour venir les vendre à un prix très cher. Mais tout ça, ça passe par l'électricité. Donc, M. le Sénat, c'est un sujet très important. Nous vous remercions votre appui et nous plaidons pour que les DTS qu'on nous a promis soient approvisionnés dans la BAD, parce qu'on est sûr que si vous les avez cet argent-là, vous allez le donner. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Président Nana Akufo-Addo. Once again, thank you, and thank you very much for bringing us together. Merci beaucoup une fois de plus. Merci de nous avoir rassemblés ici pour aborder cette question essentielle. Il me semble évident que nous sommes dans une véritable course contre la montre. La crise climatique sont bien présentes aujourd'hui. On ne peut donc plus attendre. Les solutions doivent être mises en œuvre dès aujourd'hui. Ma demande aujourd'hui, la demande que je formulerai à l'égard de cette Alliance pour des infrastructures vertes en Afrique serait la suivante. Lorsque vous recevez des projets, lorsqu'on vous demande d'accompagner des projets, assurez-vous que ces projets deviennent prioritaires, que vous les traitiez le plus rapidement possible. Ça a été l'un des problèmes les plus importants auxquels chacun de nos pays ont été confrontés. Le temps, tout simplement le temps de traitement de ces projets pour qu'ils soient autorisés, non autorisés, pour qu'ils soient tout simplement traités. À mon sens, c'est vraiment la demande essentielle. Lorsque nous devons agir, lorsqu'il faut agir avec un certain sens d'urgence, lorsque nous n'avons plus le luxe d'attendre, dans ces cas-là, les sujets sur lesquels nous vous alertons, tous ces projets doivent être traités le plus rapidement possible. Merci encore pour votre accompagnement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et nous ferons tout pour aller plus vite dans le traitement de ces dossiers. Je me tourne à présent vers le Président de la Mauritanie pour vos commentaires. Merci encore. Je salue la pertinence de toutes les interventions que je viens d'entendre. Elles ont toutes conviction quant à la capacité de l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique de contribuer très efficacement au financement de la transition verte en Afrique. Aussi, je lance un appel à tous les partenaires potentiels afin d'adhérer à cette Alliance et de la soutenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que cette dernière question conclusive nous met peut-être dans l'explication de la raison pour laquelle vous avez voulu que cette séance se tienne à l'occasion de ce pacte, ce nouveau pacte financier, qui dit qu'au cours du demi-siècle qui s'est écoulé,
un modèle de financement a été utilisé. On se rend compte un peu plus d'un demi-siècle après qu'on n'a pas atteint véritablement les objectifs qu'on souhaitait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme on le disait encore ce matin, un quart des ressources se trouve au niveau public et trois quarts au niveau privé. Je crois qu'il faut maintenant commencer, dans la logique de recherche de solutions transformatives de ces institutions pour permettre de régler les problèmes qu'elles n'ont pas pu régler, regarder un peu plus du côté privé pour voir quels sont les instruments qui peuvent être mis en place pour tirer le plus de ressources du privé. Je vous disais tout à l'heure que dans le BRT, nous avions un PPP. Là également, je pense que vous, avec les ressources que vous avez, vous voyez bien par rapport aux centaines de milliards de besoins qu'il y avait, que vous ne pourrez jamais à vous seul financer tous ces projets. Donc la première chose, et qui est une grande difficulté pour nous, ce sont les fonds de préparation de projets. Si on peut être aidé en cela, je pense que c'est une très bonne chose. La deuxième chose, c'est dans la mobilisation des ressources, de tourner le regard de plus en plus vers le privé en nous fournissant du leverage et de la garantie. Je pense que si on utilise ces solutions-là, alors on peut nous permettre d'aller, je dirais, de façon plus ambitieuse, en adéquation avec nos besoins et de façon plus rapide. Je vous remercie. Thank you very much, Your Excellency. Merci beaucoup, Excellence. Je vous demande d'applaudir ces excellences pour toutes leurs contributions. Merci beaucoup. Monsieur, vous pouvez prendre place. Ladies and gentlemen, please do not leave the room. It's Mesdames et messieurs, la session n'est pas encore terminée. Nous avons eu une première table ronde et nous aurons une deuxième table ronde avec des chefs d'État et de gouvernement. Merci de rester assis, ce n'est pas encore fini. Merci. Let me call to the podium. Très bien, je demande au président du Kenya, Monsieur Ruto, de me rejoindre sur scène. Okay. The Prime Minister of DRC, please. Premier ministre. Abdi Assi, s'il vous plaît. Le chef Cookies. Secrétaire d'État allemand. Assistant Secretary of US Treasury. I thought I saw Alexia. Alexia. Huh? Is she coming? Alexia. Mark Mallock Brown. And who else is there? I think we're fine. Yes, no, I'm going to do that. All right, thank you very much. Please have your seats. Très bien, merci beaucoup. Veuillez prendre place pour continuer notre discussion. Emmanuel Boulin. You're going to speak from that, so we're going to come back to you. On vous donnera la parole par la suite. Monsieur le Président Ruto. You've done so much on renewable energy. Vous avez beaucoup travaillé sur les énergies renouvelables. 90% de votre mix énergétique est produit par les énergies renouvelables au Kenya. C'est incroyable. Et vous hébergez le sommet sur le climat en Afrique. Pouvez-vous nous expliquer quels sont vos objectifs lors de ce sommet pour le climat
et comment est-ce que l'AGIA pourrait vous aider? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président Adesina. Je tiens également à vous remercier. En effet, sur notre chemin vers le développement de l'énergie renouvelable dans notre pays, nous avons eu un véritable partenariat avec le groupe Banque africaine de développement, particulièrement lorsqu'il s'agit de travailler sur le réseau. Il y a 8 ans, nous étions à 30% de connectivité, aujourd'hui à 75%, grâce au soutien du groupe Banque africaine de développement. J'ai 3 messages pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, l'Afrique ne reçoit que 3% des ressources disponibles pour l'énergie. 3%. Au cours des 5 dernières années, ça a chuté de 14%. 600 millions d'Africains. C'est la raison pour laquelle 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Et 900 millions d'Africains n'ont pas la possibilité de cuisiner en toute sûreté. Pourquoi? Eh bien, parce que nous ne disposons pas des investissements nécessaires pour résoudre les problèmes identifiés. C'est la raison pour laquelle nous organisons le sommet pour le climat à Nairobi. En effet, nous avons besoin d'une discussion honnête et ouverte sur le changement climatique. J'écoutais mes collègues s'exprimer et on observe bien que nous avons tous des ressources limitées pour pouvoir déployer le développement nécessaire pour faire progresser nos pays et atteindre nos objectifs. Des ressources limitées car les infrastructures financières actuelles, les infrastructures financières internationales sont construites de façon à considérer que l'Afrique est tout simplement un lieu avec trop de risques. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a dit ce matin que certains continents reçoivent ont accès à des financements qui sont jusqu'à 8 fois plus chers que d'autres pays. En Afrique, on paye 8 fois plus pour des financements que d'autres. Et c'est pourquoi on parle de ces ressources limitées pour notre développement. Voilà la conversation que nous devons lancer. Et j'espère que nous lancerons ces discussions lors de notre sommet. Lors du sommet, nous pourrons avoir des discussions honnêtes et ouvertes sur la réforme des banques multilatérales de développement, des institutions internationales financières. Mais j'espère, à mon sens, le seuil minimum de réussite de ce sommet serait d'avoir un accord pour que nous ayons accès à des liquidités, à la restructuration de la dette et que nous ayons accès à d'autres ressources. Il y a, de la même façon où la façon dont les DTS ont été créés, 600 millions de DTS ont été créés, et M. Guterres l'a dit ce matin, il est possible que nous arrivions à créer 500 milliards de dollars chaque année pour combler le fossé qui existe tout particulièrement pour les pays émergents. Voilà notre objectif, la conversation que nous souhaitons lancer. Et je l'espère, avant de nous séparer, nous aurons trouvé un accord. Et nous dirons, voilà, les analyses, les évaluations, la bureaucratie ne seront pas absolument nécessaire. On pourrait se dire, pour les 5-10 années à venir, assurons-nous que le repaiement, le remboursement de la dette soit converti en facilité à long terme, 15 ans, avec une période de grâce de 15-20 ans, pour que l'année prochaine, le financement que l'on alloue au repaiement de la dette nous soit de nouveau accessible pour
conduire toutes les activités que nous devons conduire pour offrir un bon accès à la santé, à l'alimentation, aux infrastructures, à l'énergie. Et ce n'est pas vraiment quelque chose de difficile. On peut trouver un accord très, très rapidement. En effet, on a déjà effectué les évaluations. On n'a plus besoin de passer par ces phases d'évaluation, d'autorisation. Tout ce qu'il faut dire, c'est vraiment... Bon, je vais vous donner un exemple. Pour le Kenya, on doit rembourser 5 milliards de dollars chaque année de remboursement au service, au titre du service de la dette. Et si l'on pouvait investir cette somme pour déployer l'électricité, le Kenya changerait. On ne dit pas qu'on ne veut pas rembourser cette dette. On vous dit, laissez-nous rembourser dans 10 ans et sur 15 ans. Ce n'est pas vraiment très difficile. C'est très simple en réalité comme proposition. C'est une situation gagnant-gagnant. Personne ne perd. On ne dit pas qu'on ne veut pas payer notre dette. On ne demande pas aux créanciers de nous dire, OK, on annule la dette. Non, on va rembourser cette dette. Nous savons que les choses peuvent être difficiles. Hein. Il y a la guerre en Europe, il y a la pandémie. Nous sommes tous confrontés à des défis et des enjeux qui ne sont pas évitables. Et donc j'espère que on arrivera à parvenir à cet accord tous ensemble. Et enfin, j'espère que nous aurons ces discussions à Nairobi. Mais deuxièmement, il faut nous pencher sur le financement de la lutte contre le changement climatique. Dans le Sahel, il y a des enjeux conséquents, des inondations, des coulées de terre. Regardez ce qui se passe en RDC, au Rwanda, au Malawi. Des milliers de personnes sont mortes à cause d'inondations. Dans notre région, dans la Corne de l'Afrique, nous avons perdu 200 millions de bêtes dans nos bétails à cause des sécheresses. Donc on voit bien qu'il y a des événements météorologiques, des inondations, des sécheresses. Le changement climatique n'est plus seulement une menace que pour nous, mais pour tout le monde. Et donc j'espère qu'au sommet, nous parviendrons à un accord sur le financement de la lutte contre le changement climatique. En effet, la somme dont nous avons besoin pour lutter contre le changement climatique est essentielle. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que nous avons besoin de 9 200 milliards de dollars pour que nos émissions réduisent de 45% d'ici à 2030 et net zéro d'ici à 2050. On peut trouver ces ressources. Et on ne veut pas venir à la table en tant que victime, nous ne sommes pas donc victimes. Oui, on a moins contribué au changement climatique, mais on ne veut pas avoir cette discussion. Je ne pense pas qu'on veut avoir de conversation sur les dégâts qui ont été faits. Parlons plutôt une conversation. Il nous faut une conversation gagnante-gagnante pour tout le monde. Il faut qu'on soit d'accord. L'IMF en a parlé. Mettons-nous d'accord sur une taxe sur les émissions carbone où tout le monde paye. Les émetteurs payent. On peut continuer ça à Nairobi. Non, une minute. j'aurais pas une autre chance comme celle-là. Mettons-nous d'accord sur ça. Une taxe sur l'aviation. Mettons-nous d'accord sur une taxe maritime. Mettons-nous d'accord sur des taxes sur les transactions financières. C'est des choses qui sont déjà proposées. Il faut qu'on soit tous ensemble. Mais cette fois, contrairement à la première fois, on veut se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on s'en sert, sur la structure. On n'était pas là quand les premiers éléments étaient créés. Là, maintenant, on veut avoir notre mot à dire. On ne veut pas être dans une situation où les actionnaires ont leur mot à dire sur ce qui se passe. Merci beaucoup. Et on espère qu'à Adesina, si on peut quitter cette conférence en ayant été d'accord sur le financement du climat, sur quoi faire dans le continent, on pourra répondre à ces questions énergétiques plus tard. Andrew, que vous voyez ici, il investit dans nos infrastructures géothermiques. Il a décidé qu'il allait utiliser nos ressources géothermiques via la technologie hydrogène
pour faire des engrais pour nous, pour s'assurer qu'on n'ait pas à l'importer de Russie, d'Ukraine. Donc c'est ça l'avenir. Merci beaucoup à Adesina. Je sais que j'ai un peu dépassé, mais merci pour ton travail et tu as notre plein soutien. Je sais que vous devez bientôt y aller. Tu nous as permis d'être à Nairobi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, quand j'arrive dans votre pays, normalement, on parle de Linga, Linga. Il y a beaucoup de choses à faire pour Linga. Monsieur le Premier ministre, où en êtes-vous sur le projet Linga 3 et comment l'Alliance pourrait vous aider à accélérer sa mise en œuvre? Oui, merci beaucoup, Président Adesina, pour cette opportunité qui nous est donnée de nous exprimer ici à l'occasion de ce sommet sur ce nouveau pacte financier. L'occasion aussi de remercier, bien sûr, le président Emmanuel Macron et tous les partenaires qui ont voulu que nous puissions avoir cette grande rencontre. Pour moi, c'est encore une fois de plus une démonstration de notre volonté. Et j'estime que à chaque fois que nous allons avoir cette volonté, finalement, ça débouchera des résultats. Linga 3, c'est de l'énergie hydroélectrique qui peut permettre d'avoir aujourd'hui une couverture, non seulement en République démocratique du Congo, mais au-delà de la République démocratique du Congo, d'autres pays sur le continent. Et avant d'y arriver, avant d'arriver même à la réponse, moi je vais simplement, en ajout à ce que le président Ruto venait de dire, parce qu'effectivement, la République démocratique du Congo, comme les autres pays du bassin du Congo, et dont nous possédons la plus grande partie, réclame toujours des compensations. Sur leur apport du point de vue du climat et de notre apport en termes d'absorption en gaz carbonique. Nous demandons à ce que nous ayons les crédits carbone et ça tarde à venir. Et ça tarde à venir surtout au prix auquel nous voulons avoir cette compensation. Ici, nos populations, elles, sont en attente. Parce que il nous faut préserver nos forêts, il nous faut ne pas aller sur le charbon de bois, il nous faut garantir que nous ne puissions pas surtout avoir des feux sur nos forêts, et donc un accompagnement à avoir sur nos populations. C'est important, à partir de ce moment-là, que nous leur apportions une alternative. Cette alternative, c'est l'énergie, qui va leur permettre de ne pas pouvoir aller sur les coupes de bois. Et puisque nous avons encore des difficultés sur les crédits carbone, au-delà des résolutions qui seront prises ici au courant de ce sommet, voilà une autre alternative. L'AJA vient à côté des pays africains pour leur dire « préparons nos projets ensemble ». Ensuite, nous devons avoir la bonne notation, les rendre véritablement bancables. Et puis les accompagner sur le risque, nous assurer que nous n'ayons pas un grand risque. Et pour finir, le financement. Et donc, si du côté crédit carbone, ça traîne, voici l'alternative. Un financement gagnant-gagnant qui vient et qui pourrait permettre de développer à ce moment-là ce barrage de Linga, parce que aujourd'hui nous parlons non seulement d'hydroénergie, mais nous parlons aussi d'hydrogène. Et effectivement, il y a d'autres partenaires ici. On a parlé tout à l'heure d'un partenaire qui était M. Andrew, qui était là, qui travaille dans ce sens. Et nous voulons qu'à côté de vous, à côté de cette structuration que vous avez faite en termes d'accompagnement de projet, nous ayons plus d'investisseurs. Linga, c'est un grand projet intégrateur. Au départ, une grande demande de 13 milliards. Aujourd'hui, avec une première phase qui pourrait demander 7 milliards. Et donc, on a besoin, à côté des investisseurs privés, que vous nous accompagniez de manière à ce que nous ayons l'alternative en termes d'énergie pour nos populations qui sont en attente. Qui dit énergie dit eau pour ces populations, qui dit énergie dit industrie, et donc agriculture, transformation au niveau local pour l'amélioration de la chaîne de valeur, surtout que nous intervenons dans notre rôle de pays solution avec les minerais, justement dans la transition énergétique, à la fabrication de la batterie. Donc des grandes attentes de ce côté, et nous espérons que
vous serez à nos côtés pour atteindre cet objectif. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Let me come to you, State Secretary. Monsieur le Secrétaire d'État George Koukis, l'Allemagne a lancé sa nouvelle stratégie africaine en janvier 2023. L'objectif, un des objectifs principaux, est d'aller vers une transition énergétique juste dans ce cadre-là. La question est la suivante, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette stratégie et comment est-ce que l'AGIA peut aider à l'implémentation dans certains pays? Oui, merci beaucoup. Un des éléments clés, c'est que nous avons un grand intérêt à coopérer avec de nombreux pays africains et des organisations qui s'intéressent à l'implémentation de ces idées. Par exemple, nous avons engagé 2 milliards au Fonds pour le vert pour le climat. Nous avons payé notre part dans l'objectif de 100 milliards pour de financement international. S'assurer que le financement est disponible, comme le président Ruto l'a dit, il faut avoir de grandes ambitions et il faut parler de milliards, milliers de milliards peut-être. L'échelle industrielle pour l'expansion de ces projets renouvelables est réaliste. Nous l'avons montré dans de nombreux exemples, dans nos pays en Europe, mais également en Afrique et d'autres parties du monde. Il faut maintenant qu'on s'attaque à cette industrialisation et cette transition juste. Ce sont les bons outils pour implémenter ça en Afrique du Sud. On s'est mis d'accord sur un projet de 8,5 milliards pour décarboner l'économie sud-africaine. Des milliards sont mis dans des projets de renouvelables et en même temps s'assurer que la transition se passe d'une façon juste, équitable, en prenant en compte les personnes qui sont affectées de manière structurelle par ces changements. Un aspect supplémentaire de notre stratégie est le Club Climat, où on pouvait avoir des partenariats et s'assurer que nous coopérons. Le troisième pilier de ce club, c'est justement cette coopération avec des pays, par exemple en Afrique, pour implémenter ces idées basiques, c'est de partenariat pour cette transition énergétique, s'assurer des deux aspects, tout d'abord l'équité et ensuite l'échelle industrielle. Nous sommes de grands consommateurs. Nous serons des grands consommateurs d'hydrogène. On ne pourra pas le produire tout nous-mêmes. Nous en serons très loin. L'économie allemande devrait passer d'une consommation de gaz naturel à une consommation d'hydrogène vert. Il nous faudra des milliards de kilos. Donc nous serons des acheteurs sûrs. Et beaucoup des projets peuvent compter sur nous en tant que partenaire sérieux. Un point que je voudrais ajouter, c'est que notre intégration dans le projet de programme des 300 milliards de financement pour des plans de financement, 150 milliards vont à l'Afrique. De nombreux grands projets que le Premier ministre a mentionnés pourront être financés avec l'aide de ce projet. Merci beaucoup. Je pense que si vous avez 150 milliards de dollars pour l'Afrique et 10 milliards pour la GA, on est sorti d'affaires. Ce serait fantastique. Je voudrais maintenant passer à vous, Alexia, secrétaire général. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le statut de ce programme fantastique, le partenariat pour l'investissement global sur l'infrastructure? Comment l'AGIA pourrait aider à accélérer le déploiement de ces ressources, comme nous venons de le dire, pour l'Allemagne? Merci beaucoup, Monsieur le Président Destina. Avant de répondre à cette question, je dois dire que les États-Unis soutiennent pleinement l'AGIA. Pourquoi? C'est vraiment au cœur d'un sujet, d'un défi clé qui pourrait se transformer en opportunité si on fait les choses correctement. Mobiliser un financement pour des projets le plus tôt possible pour construire une pipeline de projets climatiques. On parle de deux réalités auxquelles on fait face. La première, président Routos en a parlé de manière très éloquente. Malheureusement, l'Afrique fait face
de manière plus brutale au changement climatique, perte de vie et de terrain. Et vous l'avez dit, M. Adesina, il y a tant d'infrastructures qui restent à construire. Et comme vous l'avez dit, il nous faut donc construire vert ou verdir l'infrastructure existante. Et pour faire cela, l'argent public ne suffira pas. Mais la réalité, la dure réalité, c'est que les investissements privés ont reculé en Afrique. Et j'espère que ce panel, et ce que l'AGA essaye de faire, permettra d'inverser cette tendance préoccupante. Il y a un autre défi. Le paysage est plein de projets de facilitation, mais nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures de préparation de projets efficaces. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'attentes pour l'AGA de venir avec l'expertise. C'est là où je dois remercier les participants, les dirigeants de l'AGA, donc amener cette expertise, là je pense à l'aide de l'Africa 50, de faire les choses différemment. J'ai également des attentes, M. Adesina, que l'AGA peut aider à jouer un rôle de coordinateur au sein de plusieurs pays, au sein de plusieurs projets de coordination, pour que les ressources humaines qui existent peuvent être utilisées de manière plus efficace, plus efficiente. Je pense que les attentes de l'AGA seront des plus hautes qualités, le Blue Dot par exemple, et s'assurer que toutes les infrastructures soient construites de façon à ce qu'elles soient résilientes pour qu'elles donnent de la valeur non seulement pour les gouvernements qui aident à les financer, mais également à l'utilisateur final, les femmes et les hommes qui bénéficieront de cette infrastructure. Donc je vais juste présenter, si je pouvais, mes attentes pour l'AGA et pour revenir sur la question au sein des PGEI et la Global Gateway, les 700 milliards de dollars sur 5 ans pour construire des infrastructures résilientes autour à travers le monde. Je voudrais donner deux exemples. Premièrement, un travail qui est fait sur l'investissement, des investissements dans le train, DRC, pardon, Zambie, Angola, quelque chose de très puissant. Un autre exemple, construire une infrastructure digitale, quelque chose qui est crucial pour l'avenir de l'Afrique. Et cela passe par des centres de big data et également des questions de connectivité pour l'utilisateur final. Les États-Unis soutiennent ces initiatives à la Banque mondiale, mais j'espère que nous serons également des partenaires pour l'AGA également. Je vais juste rajouter qu'une fois de plus, on pense que vous touchez un obstacle important. Les investisseurs sont intéressés, les projets bien structurés sont tout de même financés, et c'est la naissance des projets qui est difficile. Vous allez faire part de la solution, donc félicitations. Merci beaucoup, et je pense qu'on regarde également des modèles qui peuvent agréger la préparation de projets et le déploiement d'infrastructures à large échelle. Merci beaucoup pour votre soutien fantastique. Marc, je voulais maintenant passer à vous. Parlez beaucoup de justice climatique, c'est un des sujets qui vous est à cœur. Vous avez également des projets de transformation qui s'intéressent au sud et ce qui peut être fait concernant le changement climatique. Vous pouvez nous parler de votre travail et qu'est-ce que des groupes comme l'AGA peuvent faire en partenariat avec votre groupe? Avec un passé dans le développement, ce n'est pas un grand saut de dire que la justice veut dire croissance du travail et le verdissement des économies. Pour moi, c'est un endroit naturel dans lequel investir. Mais quand je regarde au monde de l'énergie et de l'investissement en Afrique, ce qu'il manque, contrairement à d'autres, c'est le rôle du capital. Si on regarde à d'autres... Si on regarde à travers le monde, les capitales sont plus importants. Si on regarde en Afrique, le capital n'est pas là. Et je suis sûr, comme l'a dit Alexia, en grande partie, car les projets ne sont pas véritablement prêts. Et on est très enthousiaste au vu de l'AGA.
de votre leadership. Et quand on regarde les différents profils énergétiques, différentes parties du continent, les énergies fossiles, l'Afrique de l'Ouest qui dépend des énergies fossiles, beaucoup de renouvelables dans l'Est, une grande dépendance au charbon dans certaines parties, il n'y a pas de solution propre, de solution universelle plutôt, mais il y a tout de même l'opportunité pour chaque région et chaque pays de trouver son propre chemin avec les bons projets qui bénéficieront à son économie. Nous serons ravis à la RSF de soutenir la GIA dans cette dans la partie qui n'est autres investissements, donc dans l'organisation. Est-ce qu'il y a des façons peut-être de mitiger des risques, diminuer le coût du capital, de rapprocher quelque chose de l'Europe où le renouvelable est déjà très intéressant pour ceux qui investissent dedans. Donc nous sommes un partenaire très enthousiaste alors que vous poursuivez votre chemin dans cette direction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de terminer, je voudrais donner la parole à le commissaire de l'OIC, Dr Abani Abzaïd. Merci beaucoup pour votre partenariat, votre travail dans le développement d'AGEA. Et je vais demander, vous êtes le commissaire responsable d'infrastructure, quelles sont vos réflexions sur PIDA et comment est-ce que l'AGEA peut aider? Accorder la parole. Non seulement je travaille en partenariat avec vous, mais je suis vous. Nous sommes une seule équipe. Non seulement parce que je faisais partie de la famille de la BAD, mais aussi parce que nous sommes une seule équipe. Je crois que tout a été dit, que ce soit pour le PIDA, qui est le programme de développement des infrastructures en Afrique, ou bien sur la GIA, mais peut-être une dimension qui n'a pas été mentionnée aujourd'hui, c'est la dimension régionale et transcontinentale. Il ne faut pas croire que le climat s'arrête aux frontières de nos pays. Donc une approche régionale, une approche transcontinentale, pour les questions de l'énergie est essentielle. Et c'est là où vient le rôle aussi de l'Union africaine. C'est vrai que nous avons élaboré nos projets dans une perspective d'intégration africaine, mais encore une fois, tous nos objectifs, vous allez voir, contribuent positivement d'une manière ou d'une autre au débat donc, sur le climat, donc que ça soit réduction de pauvreté, réduction des émissions et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier point. Les projets PIDA ont été sélectionnés, comme vous savez bien, Monsieur le Président, comme une bonne partie de cette audience qui ont fait partie donc, des parties prenantes consultées, a pris en compte les critères de résilience climatique, les critères de genre, même les critères de smart technologies, les technologies intelligentes, et aussi les critères d'intégration urbaine, zone urbaine, zone rurale, et ainsi de suite. Donc, un examen très minutieux s'est effectué pour élaborer ces projets. Et ça, c'est le deuxième point. Troisième point, maintenant, nous sommes, que ce soit pour la GIA ou l'EPIDA, nous sommes sur le point de financement. Et nous sommes ici, même à Paris, sur les questions de financement. Et le financement, c'est vrai, il y a un financement, enfin, on peut faire le blending, dérester certains projets, ainsi de suite. Mais tant que le jeu reste le même, on ne s'en sortira pas. Et il y a, comme ils disent en anglais, « the elephant in the room ». And the elephant in the room, c'est la notation. C'est la notation de nos pays, que ce soit un financement privé ou un financement public, mais nous restons toujours sur la même manière de montrer comme quoi nos pays sont risqués et à travers quatre agences qui n'ont qu'un seul bureau à Johannesburg et où il y a d'ailleurs une seule personne, je crois. Donc, quatre personnes, pratiquement, sont en train de nous gérer, nous tous, et nos systèmes financiers internationaux. Ceci ne peut pas continuer. Donc, if we want change, the game has to change. Si on veut du changement, il faut changer les règles du jeu. Nous sommes là pour ça. Non pas pour dire
Encore une fois, il faut que vous intégrez le secteur privé ou bien chercher à mobiliser des fonds ou encore une fois des promesses. Non, mais il faut que la manière dont nous, déjà, nos systèmes financiers travaillent doit changer et devrait changer, à commencer par la notation. La quatrième point que j'aimerais dire, ça a été aussi mis en exergue par son Excellence le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Climat, ce n'est pas uniquement l'énergie. Je comprends que pour l'Europe, la question est urgente. Elle a été urgente pour nous, enfin, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi penser transport. Et pour nous, en Afrique, le transport en public, le transport urbain et le transport ferroviaire, ce sont des infrastructures vertes. Il faut se rappeler que 21% de l'énergie consommée en Afrique va uniquement au secteur transport. Okay. Donc, il nous faut absolument que les routes et les rues décongestionnent nos villes, les rendre plus saines, donc moins de pollution, okay. Mais aussi donc on contribuera encore plus aux questions de climat. Et je peux aussi continuer sur les secteurs de numérisation et ainsi de suite. Donc, Monsieur le Président, il s'agit en fait d'un schéma qui est, pour nous, qui est très clair. Nous ne sommes pas des pays à risque. Les études l'ont prouvé pour les infrastructures en Afrique. D'ailleurs, nous sommes la zone, la région, la deuxième région moins risquée pour les infrastructures après les pays du Golfe. Nous sommes la zone la plus profitable et rentable lorsqu'il s'agit d'investissement en infrastructure. Nous avons des projets bancables et il faudrait s'arrêter complètement de nous dire que vous n'avez pas de projets bancables. Ça, ça nous mène nulle part. Il faut démystifier les stéréotypes et repenser tout le système financier, surtout pour nos pays et à commencer par nos projets, bien sûr. Sans oublier, et tout en insistant sur les projets régionaux et transcontinentaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you very much. So I know we have, merci beaucoup. Je sais que certaines personnes doivent quitter la salle. Donc, avant de terminer ce panel, la transition énergétique juste et au coût de la coopération entre la France et le pays africain. Pourquoi une initiative comme Alger est importante? On vous donne le micro. Non, merci, merci Président. Oh non. Merci Président. Juste très, très rapidement, je voulais dire un mot pour vous dire l'enthousiasme que nous avons devant cette initiative, parce que je crois qu'elle est au croisement de trois lignes de force de ce sommet. D'une part, la lutte pour le développement et contre la pauvreté, et on ne peut pas se développer sans infrastructure. La décarbonation et la lutte contre le changement climatique, parce qu'on ne réussira pas la lutte contre le changement climatique sans infrastructures durables, et aussi la mobilisation du secteur privé. Donc pour nous, c'est une initiative qui est très importante. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, la France travaille beaucoup avec beaucoup de pays africains sur les infrastructures vertes. On a pu mentionner notamment le métro d'Abidjan. Je mentionnerai aussi le train express régional de Dakar, les infrastructures vertes en Afrique, notamment pour la production d'énergie. Nous travaillons également nous soutenons plusieurs plateformes, en particulier la plateforme Source, plateforme numérique de préparation des projets. Également, nous soutenons Fast Infra, qui est une plateforme qui est destinée à labelliser les projets, notamment à labelliser la durabilité des projets pour que le secteur privé puisse les financer. Et je voulais vous dire que pour nous, l'Alliance pour des infrastructures vertes en Afrique permet d'envisager l'ensemble du cycle de vie du projet, de sa préparation à son financement. Et donc, dans ces conditions, compte tenu des objectifs de cette alliance,
Nous sommes très heureux d'apporter notre soutien, d'annoncer aujourd'hui notre soutien à l'Alliance. Et nous sommes à votre disposition pour vous définir ensemble, avec notamment Proparco, qui je crois est présent dans cette pièce, voilà, qui est donc la filiale qui s'occupe du secteur privé de l'Agence française de développement. Donc nous sommes à votre disposition pour définir avec vous les modalités de soutien que nous apporterons à cette initiative. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Let's thank our panelists as I bring up the next panel. Thank you very much. Thank you so much for your contribution. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Je vais maintenant appeler Madame Douaté, Alané Boubsé, le CEO d'Africa 50. Amos Fayolé, je l'ai vu plus tôt. Il est parti. OK. Marc Galloway, Sage Ekwe. Marc Galloway, Sage Ekwe Infinita. Hey man, how are you? Good to see you. Good. Thank you. So, Alain, let me first and foremost. Alain, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre leadership sur. Ça, je me rappelle quand vous êtes venu nous voir à Abidjan. Monsieur le Président, vous êtes quelqu'un très occupé, vous êtes venu voir quand même. Donnez-nous votre perspective. Comment est-ce que vous allez mobiliser les ressources pour cette infrastructure verte critique? Merci beaucoup, Monsieur le Président de China, de nous avoir donné la parole. En effet, quand on a parlé la dernière fois, c'était votre vision de trouver une initiative pour faire une différence au Conseil de l'infrastructure. Nous avons décidé avec nos partenaires de se concentrer sur le développement de projets, qu'on a l'impression que c'est là où il y a le plus de besoins, où nous devons intensifier nos efforts sur le développement de projets. Donc ce que l'AGA fait, ce sont des choses qu'on fait déjà, mais c'est de le faire à échelle, rapidement. Et encore une fois, Monsieur le Président, merci d'avoir pensé à l'AGA. Merci à tous nos partenaires, FACANCENTRE, la Commission européenne et bien d'autres. Merci à nos nouveaux partenaires qui nous rejoignent. Certains d'entre eux sont dans la salle, mais nous voulons amener le plus de partenaires possible et travailler avec le secteur privé pour développer des projets, s'assurer que l'on puisse obtenir, plutôt être à la hauteur de nos objectifs. Ce que nous allons faire, c'est la différence que nous allons apporter. Nous allons faire rapidement. Voilà, je voulais conclure avec ça. Merci beaucoup. Excellent, comme toujours, Alain. Je voudrais maintenant vous donner la parole, Mafalda Douaté. Tout d'abord, félicitations pour votre nomination en tant que directrice du Fonds du Climat. Vous êtes sur les devants de la scène pour ce qui est du financement du climat. Quelles sont votre vision de l'Afrique et le rôle de l'AGA dans tout ça? Merci beaucoup, Monsieur Adesina, et félicitations à vous et à la Banque africaine de développement, mon ancienne maison. Merci de mettre en avant ces questions en Afrique. Je voudrais dire, au cas où, pour être sûr que tout le monde comprenne, avec avec la finance pour le climat, les dirigeants en Afrique ont pris des décisions importantes qui peuvent sembler contre-intuitives, et c'est ce qu'ils ont fait pendant un moment. On a entendu le président du Kenya un peu plus tôt. Le Kenya a investi dans le géothermique depuis un moment, et il y a eu un rôle important pour le de-risking. Si on pense à des pays comme le Maroc et d'autres qui, il y a de nombreuses années, il y a plus de 10 ans, ils ont décidé d'investir dans le solaire à large échelle. Ce sont des technologies qui avaient un coût bien supérieur à l'époque, donc de diminuer les coûts de ces investissements.
La finance a eu un jus. Le financement concessionnel a eu un rôle important. Les dirigeants africains se positionnent donc en avant à faire des investissements difficiles. J'ai eu l'honneur d'être à la tête de groupe d'investissement et je suis maintenant à la tête du Fonds vert pour le climat. Et nous avons vu quelle était la force de frappe de ce type de financement qui permet de travailler sur les coûts des capitaux, l'atténuation des risques de ces financements et permet de développer les pipelines de projets. Avec l'Alliance pour des infrastructures vertes en Afrique, nous nous réjouissons des possibilités qui vont se créer de financement dans ce domaine. Les besoins en infrastructures en Afrique sont très importants. Il faut investir dans des énergies propres, résilientes, des infrastructures résilientes et le potentiel existe. Nous pouvons en effet maximiser le financement de la lutte contre le changement climatique. Le président du Kenya l'a déjà dit, nous devons aller plus loin en matière de financement et lors de ce sommet, nous avons des discussions sur les mécanismes de génération de revenus, y compris des mécanismes d'imposition qui permettent de réfléchir et de trouver comment est-ce que l'on peut générer plus de revenus à la hauteur nécessaire, mais je me réjouis de travailler avec le groupe Banque africaine de développement. Nous sommes des partenaires de longue date et je me réjouis d'être un partenaire avec le Fonds vert pour le climat et de travailler ensemble dans le contexte de l'AGIA. Merci beaucoup, Marc, Merci beaucoup de l'intérêt que vous avez montré et démontré pour l'AGIA. Et il vient de promettre 5 millions de dollars. Félicitations pour soutenir un projet. Vous travaillez sur la diligence raisonnable avec Africa 50. Donc, merci beaucoup pour toutes ces actions. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que vous avez décidé cet engagement dans le projet de développement et que pouvons-nous faire ensemble pour construire des infrastructures vertes en Afrique? Je suis un investisseur depuis 50 ans et il me semble que ce continent, les capitaux, vous avez des besoins en capitaux, vous avez besoin des capitaux en dollars. Et les dollars sont essentiels au début des projets. Et si j'ai fait cet investissement, c'est parce qu'Alain m'a dit de le faire. Hein, c'était la raison première. Mais vraiment, les organisations s'engagent à trois choses. Tout d'abord, se concentrer sur... Elles ont un mandat de se... Nous avons un mandat de soutenir les premières étapes de projet. Les projets à leur balbutiement ne sont pas vraiment l'endroit où l'on fait le plus d'argent. Donc il faut s'engager, il faut avoir un mandat pour y aller. Deuxième point, la GIA doit lever des fonds, veut lever des fonds et donc vous avez besoin de partenaires qui sont prêts à le faire. Et troisièmement, le président du Ghana l'a mentionné, Alain plus tôt et Alexia également, le capital doit être flexible. Donc si vous avez un capital engagé, flexible et agile, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir trop de différentes couches, vous n'avez pas beaucoup de différentes... institutions de financement du développement qui sont impliquées, sinon vous n'êtes pas agile. Eh bien, c'est ce qu'Alain m'a assuré qu'il y a, au Congo, nous aurons des capitaux agiles, engagés. Voilà. Merci beaucoup. Je vais donc envoyer peut-être Alain parler avec plus de personnes pour y arriver. Monsieur, vous soutenez l'Alliance depuis le début de sa création. Que pouvons-nous faire ensemble pour la suite? Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à saluer votre leadership, président Adesina, et vous dire comment la
banque. Notre banque est engagée à soutenir l'AGIA. Nous avons eu des discussions passionnantes avec M. Hoth. Comme on l'a dit ce matin, c'est vraiment le bon choix pour être à la tête de cette institution. Dans notre banque pour le développement économique en Afrique, nous sommes convaincus que nos économies doivent verdir leur infrastructure et nous devons développer une économie plus verte et des infrastructures plus vertes. Nous avons travaillé depuis plus de 40 ans dans les infrastructures vertes. Nous travaillons dans ce domaine. Plus de 60% des investissements et des financements de notre institution sont alloués à des projets d'infrastructures vertes. C'est la raison pour laquelle nous sommes pleinement engagés aux côtés de la GIA et c'est la raison pour laquelle nous avons déjà confirmé officiellement par écrit notre volonté de rejoindre la GIA et nous sommes également engagés à mettre à disposition des ressources concessionnelles à la GIA. Et très prochainement, je discuterai avec le directeur pour parler des financements que nous pourrons allouer à la GIA. Et je peux vous l'assurer, notre conseil soutient pleinement notre décision de rejoindre la GIA et de mettre à disposition des ressources concessionnelles de taille pour l'Alliance. Merci beaucoup. Mon frère, vous êtes également convaincu, vous avez été convaincu de l'Alliance depuis le début. Et merci de votre travail en tant qu'envoyé spécial, rapporteur spécial pour l'Africa 50. Quelle est votre volonté et qu'est-ce que vous voulez faire par la suite pour travailler avec la GIA? Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir envoyé. Je regarde de près la façon dont le rapporteur spécial gère cette initiative incroyable et notre banque de développement n'a pas vraiment le choix lorsque on me dit voilà, je n'ai pas tellement le choix lorsqu'Alain vient me parler que de dire oui, eh bien, c'est pas complètement faux. Hein. Donc aujourd'hui, nous sommes encore en train de regarder les chiffres pour voir quelle est l'ampleur à laquelle quelle sera la portée de notre soutien. Mais nous n'avons pas tellement d'autre choix que de dire oui, nous allons vous soutenir. Pourquoi? Eh bien, parce que comme nous l'avons déjà mentionné à de nombreuses reprises, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de donner un nouvel élan à l'Afrique. Quelque chose se passe sur le continent. Bien sûr, sous votre leadership, vous êtes un leader incroyable, mais cela crée une dynamique entre nous. Avec mon frère Sidi de Baréa, Tidibi et d'autres. Donc cette dynamique existe. Il y a cette idée selon laquelle, moi je ne veux pas revenir aux 5 secteurs sur lesquels nous travaillons, mais bien évidemment, les infrastructures font partie des secteurs prioritaires, des infrastructures vertes, bien sûr, parce qu'on ne travaille pas pour nous, nous travaillons pour la génération à venir. Et donc, tout ce qui est vert, tout ce qui est durable, est bien évidemment une priorité pour nous. Donc, on renforce nos efforts, on travaille ensemble. Et mon voisin Marc l'a déjà dit, les capitaux sont essentiels. Je ne sais plus si c'est comme ça que vous l'avez formalisé, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir. J'étais heureux de l'entendre. Tout le monde ici me connaît, tout le monde le sait bien. Depuis que j'ai rejoint l'institution, je me bats pour s'assurer que le monde entier comprenne bien qu'on ne peut pas garantir ou permettre un plus grand développement du pays sans capitaux. Il s'agit là, les capitaux sont des financements à long terme. Ça nous permet d'avoir accès à des financements à long terme. La question donc aujourd'hui est de savoir, premièrement, a-t-on une vision? Oui, absolument. On sait vers quoi nous nous dirigeons. Deuxième question, a-t-on les capitaux, les moyens pour remporter la bataille? Oui, vous soutenez DOAD pour son augmentation de capital. Donc maintenant, c'est à mon tour de vous soutenir et d'injecter des capitaux dans ce type d'initiative. Troisième élément, le dernier mais non des moindres, notre capacité d'exécuter, d'agir
afin d'obtenir les plus grands impacts possibles. Oui, nous avons les ressources, les capitaux, parce que bien sûr, les capitaux, comme on l'a déjà dit, sont essentiels. Nous avons la capacité d'exécuter les initiatives et d'avoir vraiment des répercussions, des effets sur la vie des populations en termes de création d'emplois, ce qui est essentiel et très bon pour le budget hein, grâce aux impositions. C'est vraiment un cercle vertueux. Collecter plus d'impôts, créer des emplois, abaisser la dette externe, la dette nationale externe, tout ceci est positif. Donc ma conclusion sera tout simplement de dire voilà, nous n'avons pas d'autre choix que de dire oui. La même chose pour Mme François Lombard, de CEO de Propaco. Vous êtes un partenaire très important pour la Banque africaine de développement, pour Africa 50, pour tous les gens qui sont ici au niveau de la secteur privé. Comment vous voyez le AGA et la relation avec AGA? Merci, Président Adesina, et je suis très honorée que vous me donniez la parole aujourd'hui. J'ai l'honneur de représenter le groupe AFD dans son ensemble. Je suis pour ma part, donc, en effet, la directrice générale du bras armé secteur privé de l'AFD. Mais je pense que c'est très important de rappeler qu'en matière de financement d'infrastructures vertes, nous devons précisément aller au-delà de ces catégories publiques-privées. Et c'est vraiment en matière d'infrastructure qu'on a, je pense, déjà réussi le mieux à dépasser cette dichotomie. C'est ce que l'on essaye de faire, en effet, au sein du groupe AFD. C'est ancré dans la stratégie de Proparco, donc on travaille très étroitement avec l'Agence française de développement et notamment en matière de financement de projets PPP où finalement l'ensemble des entités du groupe peuvent intervenir, l'Agence française de développement dans les phases amont, Expertise France, la nouvelle filiale du groupe, dans les phases encore plus amont, notamment pour établir des cadres propices au développement de structures de type PPP, et dans des phases donc plus aval, Proparco sera là pour financer également donc pourvoir à une certaine assistance technique dans les phases de réalisation plus concrète de ces projets-là. Évidemment, on parle ici non seulement de projets verts, c'est très bien, mais on parle de projets en matière d'infrastructures vertes qui sont la base, on l'a dit, finalement, d'une croissance durable, qui sont la base de la lutte contre la pauvreté. On ne peut pas imaginer la création d'emplois, on ne peut pas imaginer la croissance sans un accès à l'énergie, et donc évidemment sans un accès à l'énergie propre en l'occurrence. Et c'est important, je pense, de le rappeler, parce que quand on s'occupe du secteur privé, en effet, avoir des infrastructures qui fonctionnent, c'est un prérequisite, un prérequis absolument indispensable en la matière. Donc ne l'oublions pas ensemble. Alors après, il y a différentes manières de financer des infrastructures vertes, et je pense que c'est important aussi de le rappeler. On a beaucoup parlé ici des très gros projets d'infrastructures. Je pense que c'est aussi important de rappeler qu'il y a des plus petits projets, medium size, small size, qui méritent en fait évidemment d'être financés parce qu'ils répondent à des besoins, à des contextes. Et encore une fois, j'insiste vraiment sur la nécessité de pas forcément calquer des schémas partout de la même manière dans tous les pays. Et pour ça, il faut faire preuve aussi d'un peu d'imagination et notamment, par exemple, agréger des projets sous forme de plateformes parce qu'ils n'ont pas forcément la taille requise pour être financés comme des projets, comme le seraient des projets de très grande envergure. Je pense que c'est très, très important. Travailler aussi avec des intermédiaires financiers, c'est ce que nous faisons beaucoup aussi à Proparco, en l'occurrence, qui connaissent bien les marchés et qui sont qui ont une expertise du pays, du contexte, c'est extrêmement important également. Ce sont des acteurs majeurs. Il faut soutenir aussi les systèmes financiers locaux pour pouvoir financer des infrastructures vertes sur le continent africain.
Alors, évidemment, on est et le directeur général du Trésor, Emmanuel Moulin, l'a dit, on est très en soutien de cette initiative, parce que quand on regarde finalement les principaux goulets d'étranglement au financement d'infrastructures vertes en Afrique, on a trouvé différentes raisons. La perception du risque, on l'a dit, probablement biaisée, erronée, mais elle n'en est pas moins là aujourd'hui. On va également trouver un retour financier jugé trop bas par rapport à cette perception du risque. Là aussi, on peut considérer que tout ça est biaisé, mais le fait est que quand on se place dans une perspective d'investisseur privé, c'est souvent le jugement que l'on nous oppose le plus souvent, même si on le combat férocement. Des questions de maturité de financement qui ne sont pas présentes pour financer ces projets de long terme, parce qu'on parle de projets de long terme, c'est indispensable d'avoir cette vision-là, et en particulier si on veut des infrastructures vertes qui soient résilientes. Et de plus en plus, en matière d'infrastructures vertes, on va devoir intégrer la composante adaptation. C'est fondamental sur le continent africain, et ça, ce n'est possible que si on raisonne vraiment sur du long terme. Et puis, on va trouver cette question de investment readiness, de préparation de projet et d'environnement propice, en fait, au développement de ce type de projet. Et ça, je pense que vraiment, l'initiative AGIA est une excellente réponse, en fait, à ce défi-là, qui est un défi énorme. Et le fait de raisonner cross-border sur tout le continent africain, je pense que c'est une excellente chose. Donc, évidemment, on est très en soutien de cette initiative. Merci beaucoup. Please thank them very much. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à prendre place. Et j'ai quatre dernières personnes que je vais demander de me rejoindre. François Lomba. Philippe. Pardon. Valaou. Philippe Valaou. Philippe. Yeah, please give me a round of applause as he comes on board. Andrew Johnston. Andrew Justin. Eric Scotto. Eric Scotto. I think that's pretty much it. Yes, they're the final one. And then voilà, c'est le dernier tour de table. Et comme vous êtes. What few words before we close up? So, Minister Maduhot, please come right up. Oh, let me start with you, Philippe. What are your perspectives about? Philippe, je vais commencer par vous. Quelles sont vos approches, votre perception, votre compréhension d'AGIA et du partenariat que nous créons? Merci beaucoup, Président Adesina. Comme vous le savez, nous avons participé à la COP27, nous avons été présents au lancement de l'initiative et je me réjouis d'avance de la COP28 et d'avoir des résultats en termes de financement. Nous travaillons sur cette préparation aux premières phases d'un projet depuis plusieurs décennies et nous le savons, les capitaux sont essentiels dans cette équation. Et donc, si un autre acteur peut venir participer au projet et apporter des capitaux, c'est vraiment très intéressant parce qu'il n'y a pas assez d'investisseurs qui sont prêts à faire ces investissements, parfois à risquer. Avec Alain Amadou, nous sommes très heureux de travailler ensemble dans les mois à venir pour voir comment est-ce que nous pouvons peut-être devenir des participants plus actifs à cette alliance. Merci beaucoup, Président Alessina. Let me ask you, Andrew, what are your Andrew? Views on that? Well, President, firstly, thank you very much for the opportunity. Monsieur le Président, merci beaucoup de cette possibilité, de cette chance qui m'est offerte d'être présente aujourd'hui. Je représente ici un fonds de gestion de capitaux qui utilise des financements mixtes, se concentrant sur les énergies renouvelables. Mais je suis également présent en ma qualité d'investisseur dans ce type de projet. Je travaille au développement des projets et je connais bien les difficultés qui vont avec. Et troisièmement, je représente également AFIDA. Infrastructure Developers Association. L'association de développement en Afrique. Nous avons été créés il y a à peu près 3 ans et nous essayons de créer un environnement propice aux développeurs pour qu'ils puissent parler des problèmes auxquels ils sont confrontés en Afrique et pour
former ensemble un forum dans lequel nous pouvons échanger tout au long de l'année. Donc voilà, ce type d'initiative qui permet de créer un écosystème, un macro-écosystème pour ce type d'alliance, pour ce type d'initiative, travailler ensemble pour se mobiliser et aller ensemble vers un objectif commun est vraiment très positif. Donc c'est un véritable plaisir pour moi que d'être présent avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Eric Scotto. Yes, please. What are your perspectives about AGIA? Est-ce que je peux m'exprimer en français? Ah oui, très bien, oui. Alors je vais faire quelque chose qui ne se fait pas. Je vais résumer les trois panels, parce que c'est votre rôle, ça. Ça, c'est bon. Je vais vous faire un pré-résumé, oh, oui. Si vous le permettez. OK, allez-y. Lors de ces panels, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et tout à l'heure, le président des Comores expliquait que ça serait très important de développer son pays pour des raisons de souveraineté. Il a parlé de souveraineté. Il a parlé de souveraineté alimentaire. Il a parlé de souveraineté énergétique. Et en fait, le hasard des choses fait que depuis 2007, 16 ans, mon entreprise a développé à moins d'une heure de vol des Comores sur la belle île de La Réunion toutes ces technologies. Toutes ces technologies existent depuis des années. Elles sont compétitives. C'est le meilleur moyen et le moyen le moins cher de produire de l'énergie aujourd'hui. L'Afrique regorge de ressources. On a cette chance d'avoir des ressources extraordinaires. Le président de Madagascar a parlé tout à l'heure de la problématique climatique, des problématiques cycloniques. Ça fait des années qu'on a installé à Madagascar des panneaux solaires rétractables. Ce sont des conteneurs et lorsque le cyclone arrive, on rétracte ces panneaux, et ce qui permet d'éviter qu'ils soient détruits par le cyclone passe, on les redéplie. On fait ça avec des sociétés malgaches. On a parlé de difficultés à financer certains pays et certains projets. Tout à l'heure, la secrétaire américaine parlait des bons projets. Il y a de très très bons projets. On a fait un projet au Mali. C'est pas le pays le plus simple à financer. Néanmoins, ça fait des années que chaque mois, EDM, Énergie du Mali, paye ses factures. Et c'est pas un petit projet, c'est 50 mégawatts qui alimentent la région de Kita et Bamako. Donc le résumé de tout ça, c'est que la technologie est là. Elle est abordable, elle est finançable, elle est sûre, elle permet de la souveraineté énergétique. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'y arrive pas? J'ai écouté Larry Fink ce matin de BlackRock qui disait: il y a énormément d'argent dans les fonds de pension, dans les assurances. Simplement, cet argent, elle n'arrive pas au bon endroit. Et le défi est qu'est-ce qu'on attend de nos partenariats? C'est peut-être un soupçon de garantie, je ne sais pas, un petit mécanisme qui va permettre de rassurer les fonds de pension, les assureurs, qu'ils viennent voir qu'avec des bons projets sur ces pays, c'est plus rentable. Il y a des ressources absolument incroyables. Donc il faut qu'on arrive à flécher massivement cet argent vers l'Afrique. C'est une question de survie, non pas pour le continent, mais pour notre planète. On doit absolument accélérer ce mouvement. Et donc, des garanties que vous pourriez apporter d'une façon ou d'une autre, du first loss, il faut qu'on soit créatif sur les mécanismes financiers et que nous ne soyons pas les seuls sur ce continent. Quelques entreprises qui se battent depuis des années. Il faut que tout le monde nous rejoigne et que tout le monde ait conscience que l'on peut changer les choses très rapidement. Merci à vous. Merci beaucoup. Thank you, Martin. We was looking for you. And merci beaucoup, Martin. What are your perspectives on AGIA and how? Quelles sont vos opinions sur AGIA et comment voulez-vous construire un partenariat par la suite? Merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole et à participer à ce panel. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas mon organisation, nous sommes l'un des développeurs les plus grands des énergies renouvelables après avoir acheté AGIA et nous investissons sur le continent depuis des années. Nous sommes l'un des premiers investisseurs d'ailleurs et je pense que l'Alliance est vraiment une initiative extrêmement intéressante. Et
Nous soutenons également la facilité d'accélération des énergies renouvelables, une autre initiative qui a pour ambition de créer des projets bancables d'accélérer leur développement, tout simplement. Et je pense que dans ce cas, nous avons tiré de nombreux enseignements, quelque chose que nous pouvons partager au sein de l'Alliance. Ce pourrait être notre contribution et je pense que c'est vraiment une initiative qui nous permet d'aller dans la bonne, dans la bonne direction. Si l'on regarde les énergies renouvelables, ici, on a beaucoup parlé d'infrastructures vertes et je pense qu'il est important de garder à l'esprit que les énergies renouvelables ne ressemblent pas à d'autres infrastructures vertes. Pourquoi ? En raison des coûts technologiques qui ont chuté. Et aujourd'hui, les énergies renouvelables sont vraiment la source la plus abordable de production d'énergie dans beaucoup de régions du monde. Et donc, des projets qui permettent d'injecter de l'électricité dans le réseau à 40 euros par mégawatt heure. Et si le client paye, lui, 100 euros par mégawatt heure, eh bien, ce projet est en réalité très peu risqué, indépendamment de la notation et des risques associés au pays. Donc, on le voit, il peut y avoir de bons projets sur le continent et nous avons besoin de réglementations qui permettent de tirer parti de ces différents mécanismes de régulation des risques, de régulation des risques sur le marché que l'on peut voir dans d'autres pays. En tout cas, voilà, je suis très heureux d'être présent avec vous aujourd'hui, très heureux de cette initiative et très optimiste pour l'avenir. My special envoy Amaru Hart, who's done all the work working with Alain. Merci pour votre travail pour l'Union africaine aussi qui a mis tout cela ensemble. À quoi ressemble l'avenir? Thank you very much, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'avenir semble radieux. Nous espérons que d'ici la COP 28, il y aura des engagements forts. Certains de nos partenaires font leur travail, se sont engagés sur certains montants. Marga Le Gris, par exemple, avec ses subventions de 5 millions de dollars, nous accélérons nos discussions avec tout le monde pour atteindre cet objectif. Je voudrais remercier, Monsieur le Président, tous nos partenaires qui s'intéressent à cette initiative, qui veulent investir. Certains d'entre eux sont là, des partenaires nationaux, des partenaires africains, dont Badea et BOAD, les deux les deux font de l'excellent travail pour, je l'espère, approuver de bons investissements. Mais laissez-moi remercier toutes les personnes qui ont travaillé jour et nuit pour rendre tout cela possible. Alessar qui est ici avec moi, il a travaillé avec son équipe et toute l'équipe banque pour mettre tout cela possible. Monsieur le Président, merci pour votre soutien et votre leadership de nous montrer la bonne direction. On y arrivera. Merci beaucoup. Je pense que nous arrivons à la fin d'une discussion très inspirante. Je voudrais dire que c'est des choses que j'ai entendues pendant cette convention. Nous avons des opportunités de construire l'infrastructure de manière différente de l'infrastructure verte ou verdir l'existant pour construire un système résilient. Nous avons un véhicule qui nous permet de faire cela, quelque chose qui soit poussé par les marchés, s'assurer que les investissements vont aux projets qui peuvent être exécutés rapidement avec moins de bureaucratie et bien sûr la GIA. Troisièmement, nous avons un engagement fort de la part de tous les parties prenantes pour ce travail. Quand j'ai commencé
il y a deux heures maintenant. J'ai demandé trois choses. Premièrement, il faudra mobiliser un soutien politique autour de la GIA. Deuxièmement, avoir un financement, un soutien financier de la part de ceux qui vont investir dans la préparation des projets, le développement des projets, ceux qui peuvent aider. Aider ceux qui peuvent exécuter ces projets, ceux qui peuvent. Et enfin, il est clair que nous devons arriver à la ligne d'arrivée. Ma fille disait que l'avenir ressemblera à ça et la COP 28, j'espère, aura un rôle. Merci beaucoup à tous d'avoir organisé tout cela. Merci d'être resté. Kevin Orama, VP et tous les autres, tous ceux qui ont traversé ça, merci d'être venus. Faisons avancer les choses. Merci. Ah oui, merci beaucoup. Please, we have got another event here organized by the African Union. So would kindly request that you take your seats. Ours will be shorter.